Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Samedi, au Grand Angle de Voiron, retrouvez la chanson française symphonique avec le chœur de la Note Bleue et le ténor Franck Colline. Ils sont accompagnés par l'Orchestre Symphonique Universitaire de Grenoble. Les 120 artistes revisitent les plus grands succès de la chanson française. Ferrat, Piaf, Bref, Lama, Aznavour, Hallyday, Balavoine. Mondo Folie est en avant-première au Diapason de Saint-Marcellin samedi. C'est un jeu-spectacle à l'échelle de la folie du monde. Ici, les pions sont des acrobates qui se font plumer. Le banquier est un magicien. Les comédiens jouent les rêveurs dans ce monde où tout est possible. Au théâtre en rond de Sassenage, ne manquez pas les mangeurs de lapins se font la malle. C'est un carnet de voyage avec un soupçon d'arnaque et une pincée d'esbroufe, proposé par des clowns fantaisistes. Au menu, haute voltige, performance, gags et rire. Mais en valeur quand les sophistes perdent leur vice, quand le bon sens est en absence, on ne compte plus les contresens, les paradoxes. À la salle des fêtes d'Autrans, c'est Fox à Guinche qui fait le show. Le groupe de chansons françaises festives est composé de 6 musiciens et a déjà 11 ans de scène. Ses textes sont plutôt intimes et militants, ses influences plutôt rock et tzigane. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.